Allô. Il faut qu'on se rejoigne tous au cimetière pour pouvoir parler du plan de libération de l'autre handicapé qui vient de se faire choper. Ouais, viens. Ouais. Alors, il a écopé de combien encore? 30 ans, enfin 30 jours. J'irai ça, ça va être la perpétuité. 30 ans. Ah, c'est mieux que la perpétuité quand même. Tu veux que le sauver ou pas du coup? On verra. Mais en vrai, je pense que ce serait une mauvaise idée. On serait prendre des risques. Prendre des risques pour rien. Ouais, je vois. Et je trouve qu'il en vaut pas la peine. Tu sais, Il est où, Léon? Léon, lui, il avait un mal de tête, il est rentré chez lui. Okay. Tu sais, il y a un certain moment dans la vie où on remarque qu'on connaît plus de morts que de vivants, tu vois. C'est dans des moments comme ça où en fait on remarque que on a vécu une vie assez difficile. Lis-moi un petit peu ce qu'il y a sur cette tombe. Lequel? Celle-là. Elle? Ouais. Oh, c'est sa vie. Ouais. À ton avis, ça veut dire quoi aussi sa vie? Dire que Bousset, c'est toute la vie. Jusqu'à la mort. Regarde bien ce qu'il y a écrit en dessous. J'en peux pas, moi. T'en retourne pas, t'en retourne pas. T'en Ok. retourne pas. Je te prends ton Ouais, j'en peux téléphone, pas. tes armes, ton moyen de communication. Ok. Tu sens ce calibre sur ta tête? Ouais, je le sens. Ok. Retourne-toi maintenant. Pourquoi Dark Alid? Pourquoi t'as voulu me la mettre? Très bien. Je sais que tu veux me la mettre, hein. Je le sais, tu crois que je le sens pas. Tu penses que je te mets des coups de pression, tu penses que. Tu sais, moi, tout ce que je Ça. fais là actuellement, là, quand je suis en train de te parler et tout, et que je suis un petit peu en train de te mettre un petit peu les pieds sur terre, c'est pour te montrer en fait à quel point je tiens à toi, tu vois. Là, quand je commence un petit peu à m'énerver sur toi et tout, tu penses que je l'ai fait contre toi, mais en fait je le fais pour toi, pour ton bien. Et toi, tu prends ça pour des coups de pression, quoi que ce soit. Parle-moi, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Ah, les keufs et tout, tu commences en fait à trop montrer en fait que t'es présent, alors que, juste pour te le rappeler, OCS, organisation criminelle secrète. En fait, ton problème c'est tu manques de professionnalisme et de sérieux surtout. C'est qu'en fait là tu mets les OCS en difficulté à cause de ton manque de sérieux. C'est exactement ça en fait. Tu te fais trop remarquer par la police. Et je vais pas te mentir, c'est que en fait, tu sais c'est quoi ton problème là avec moi? Tu vas non seulement mourir parce que tu m'as trahi, mais surtout Parce que aussi tu vas me parce que buter. t'en sais trop. Tu vas me buter. À ton avis, si je te braque avec une arme, tu sais très bien que lorsque je dégaine, c'est pas pour parler. La ligne entre un ennemi et un ami, elle est vraiment très faible, très très faible. Et là, cette ligne, tu l'as clairement passée. Tu sais, je vais te dire un truc, hein. Je t'écoute. C'est que là, il y a pas que moi en fait que ça dérange ton manque de professionnalisme, ton manque de sérieux, et surtout le fait que t'en saches trop. Ça dérange non seulement Léon et aussi le reste du groupe. Et je l'ai toujours dit. C'est que dans une équipe, on pense toujours au bien commun. On pense toujours à avancer en groupe. Et que je sache, je te l'ai dit avant de rejoindre les OCS. Je t'ai même parlé la tombe là-bas. Je te l'ai même dit que c'est soit tu t'avances avec moi, avec tous les risques qu'il y avait. Le fait que je puisse te buter à tout moment. Le fait que tu puisses mourir à tout moment. Le fait que si tu me trahis, je te bute. Et tu sais, j'ai deux choix avec toi. Soit je te dis de dégager, je te bute pas.
soit je te bute. Et tu sais très très bien que quand tu quittes les OCS, tu ne quittes pas les OCS par la porte, mais tu quittes les OCS par la vie. Et ça, tu le sais depuis le premier jour. C'est pas comme si je te l'avais caché. Ah là là. Vas-y, viens, si tu veux. Vas-y, avance. Attends, je te mets. Vas-y, mets tes mains derrière ton dos. Mets tes mains derrière ton dos. Vas-y, tiens, je te mets une note. Parfait, vas-y, tu viens. Tu me suis. Vas-y, avance, Pourquoi tu avance, fais ça? avance, 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 avance. Avance. Pourquoi tu fais ça? C'est très très bien pourquoi je le fais. Je sais très très bien que tu voulais me la mettre à l'envers. T'en as marre de ces coups de pression et tout. Même la dernière fois, Léon me l'a dit que tu commences à être de plus en plus bizarre. Ton comportement de plus en plus suspect. Et même la dernière fois, le fait que tu parles Léon. pas. Arrête, Léon. arrête. Même la dernière fois, quand je te parlais là, je t'ai juste mis un petit coup de pression, mais pour ton bien, comme je te le dis. Je t'ai juste dit de faire quoi? D'arrêter de te faire remarquer, parce que Léon. ça foutait la merde. Et toi, tu fais quoi? Tu continues à faire ça, et tu penses en plus que moi je le fais contre ton. Je le fais contre toi, alors que c'est tout le contraire. Je le fais pour ton bien. Vas-y, descends, 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 descends. Descends. Vas-y, mets-toi dans le trou. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais pourquoi je vais te buter. Sais, dans la vie, il y a point de véritable amitié sans véritable confiance, surtout une confiance entière. Si moi par exemple, j'ai un moyen très spécial pour connaître les amis, tu vois. C'est, tu vois, pour connaître les véritables amis, il est nécessaire de passer par le succès et le malheur. Dans le succès, nous vérifions la quantité et dans le malheur, la qualité. Et tu vois, là, ces derniers temps, j'ai remarqué qu'en fait, t'es un obstacle pour le groupe. Tu fous la merde, tu t'en sais trop. En fait, t'en sais trop et tu montres en fait que t'es présent en ville. La dernière fois, quand on s'est fait contrôler par le policier, je t'ai dit ferme-la, c'est bon et tout. Toi, t'as fait quoi? T'as fait le malin avec ta moto, t'as commencé encore à drifter quand il t'a demandé de l'arrêter et tout. Mais c'est pas grave, tu vois. Là maintenant, c'est ça, c'est des petits trucs comme ça qui font que. Voilà. Tu vois? Y a pas d'amis. Y a que des complices. Et quand la complicité cesse, l'amitié s'évanouit. Et c'est des trucs comme ça qui font que aujourd'hui tu vas mourir. Tu sais, quand on a découvert qu'un ami c'est un menteur et surtout un manipulateur, tout de lui sonne faux, même ses vérités. Et c'est de la confiance qu'est née la trahison. Aujourd'hui tu m'as trahi. On se reverra dans un autre monde. Tu m'excuseras, je vais faire une petite. J'ai fumé un petit coup. Désolé, Dark Alids. C'était pas contre toi, mais c'était surtout pour le bien du groupe. T'en savais trop. Adieu, Dark Alids. Tout, ça c'est pour. Ça c'est pour l'envie de me tuer, ça. Fils de pute.